Bonjour chers amours, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Echo 237. Vous êtes sur Au Féminin et nous sommes les filles de Beyoncé Camer, toujours avec vous toutes les semaines avec un nouveau thème, avec un nouveau sujet. J'espère que vous portez bien, j'espère que vos familles aussi vont bien et j'espère que vos affaires vous donnent beaucoup d'incapé. Donc beaucoup de courage à vous dans vos activités. Je vais me tourner vers Armelle Lafalaise qui est juste à ma droite ici pour faire un coucou à nos invités. Bonjour. Coucou les amours, coucou les invités, coucou les fans. Comme toujours, nous sommes très ravis d'être avec vous et de partager de nouvelles expériences. Déjà, merci à cette dame qui est venue nous voir pour son problème personnel. Et j'ose croire qu'ensemble, nous allons trouver une solution à son problème. Je remercie déjà tous les téléspectateurs et tous nos fans. Les fans de la Grèce, en fait, de tout le bout du monde. En fait. Donc, du coup, je compte sur vous pour liker, commenter et nous motiver de temps en temps avec les commentaires. Voilà. Donc là, c'était Armelle Lafalaise, vous connaissez déjà sur ce plateau. Je vais me tourner maintenant vers Madame Guédia qui est à ma droite. Bonjour Madame, bienvenue sur le plateau, la ravissante. Vous voyez, elle est toujours très contente. Bonjour Nina, bonjour Armelle. Bonjour spécial à notre réalisateur Armelle. Bonjour à tous nos fans de Echo 237. Bonjour à mon époux, bonjour à tous mes enfants de par le monde, bonjour à tous nos amis, bonjour à nos fans. Continuez toujours à nous liker, à partager, à cligner sur la cloche pour que nous soyons toujours présents pour vous. Un bonjour particulier à notre reine du plateau, Madame Yedon, qui n'a pas été là ce soir. On te salue depuis le plateau, maman. Ah voilà, bonjour. Bonjour, Madame Yedon. Tu nous manques sur le plateau aujourd'hui. Alors, ça c'était Madame Guédia. On va, juste sans transition, passer au thème qui nous concerne aujourd'hui. Donc, voilà, le thème parle de quoi? Le thème nous parle d'une jeune femme. C'est une femme qui pose son problème. Donc, elle est mariée. Et depuis quelques années qu'elle est mariée avec son homme, ils n'ont pas eu d'enfant. Et donc, ils ont commencé à réfléchir à des solutions. La solution qu'ils ont fini par adopter, entre autres, je ne sais pas combien d'options ils avaient, mais ils ont fini par adopter une option selon laquelle ils vont payer une jeune femme de 16 ans pour leur faire un enfant. Et donc, ils ont fait venir cette jeune femme, ils ont rencontré une jeune femme avec qui ils ont négocié le prix et tout, ils sont tombés d'accord. Ils ont fait venir cette jeune femme dans leur maison et donc, le mari a enceinté, autant pour moi, la jeune fille. Et donc, le contrat prévoyait qu'après l'accouchement, elle va recevoir son solde. Et bien sûr, elle va quitter la maison. Mais sauf que le souci actuellement, c'est que la jeune femme, elle a accouché. Mais elle a signé que non, je suis que là. Moi, je n'ai pas plus. Donc, la dame, elle est dépassée, elle ne sait pas comment gérer ça. Elle dit, soit elle va partir avec l'enfant, soit elle veut aussi être femme dans la maison. Donc, si elle doit rester avec son enfant, elle doit aussi être l'épouse du monsieur. Et sinon, elle s'en va avec l'enfant. Et le monsieur, lui, dit, il ne veut pas que son enfant, il ne veut pas laisser partir son enfant. Donc, cette femme se retrouve aujourd'hui dans une situation très embarrassante où elle a une femme qui s'impose dans sa maison comme co-épouse quelque part et elle a son monsieur, son mari qu'elle risque de perdre parce que le monsieur ne veut pas aussi perdre son enfant. Donc c'est vraiment un peu comme compliqué comme situation. C'est pour ça que je vous ai dit asseyez-vous bien parce que c'est assez chaud comme débat sur le plateau aujourd'hui. Alors je vais me tourner sans plus tarder vers Madame Guédia qui va nous dire ce qu'elle pense du thème du jour. Vraiment, Nina, c'est une situation très, très compliquée. Très compliquée. Oui. Parce que là, les hommes, je pense que les hommes ont plus d'un tour dans leur sac. J'ai l'impression dans cette histoire qu'on a dû tromper la première femme, la femme de la maison, en lui faisant croire que cette femme va venir juste faire les enfants. Parce que là, je ne comprends pas comment on peut signer un contrat et à la fin, la fille veut maintenant s'imposer dans le mariage. Là, je pense qu'il y a un guise sur roche. Donc,
Ah, donc pour ta il y a part, quelque chose que... C'est un coup monté alors. Oui. Carrément. Ça, pour moi, je pense que c'est parce que le monsieur, lui, s'acharne que son bébé ne quitte pas la maison. Il veut s'accrocher sur l'enfant pour garder sa femme. Moi, c'est comme ça que je suis en train de percevoir cette histoire-là. D'accord. En tout cas, ça, c'est l'avis de Madame Guédia. Je vais me tourner vers Armelle Lafalaise. Armelle, dis-nous, tu penses quoi de ce thème-là? Merci déjà, Nina, de m'avoir passé la parole. Bon, pour moi, ce thème, c'est vraiment un thème très, très sensé parce que là, c'est une histoire de couple qui pourrait aller peut-être jusqu'à la séparation. Donc, du coup, ici, nous sommes là pour apporter notre plus à cette jeune dame qui a vraiment besoin de notre conseil. Bon, pour moi, je pense que... Moi, je me dis, tout simplement, c'était simple, le mari et la femme se sont entendus pour prendre la fille, pour pouvoir donner un peu la joie dans le couple, oui. Parce qu'on sait qu'avec l'enfant, c'est encore plus beau. Donc, du coup, ils ont essayé de contacter une fille, mais porteuse, on peut appeler ça comme ça, pour lui donner un enfant, mais... Exactement. Mais malheureusement, la mère porteuse a pris goût. Mais moi, je me demande, celle-là, elle prend goût comment? Parce que le tout, c'est un contrat. Bon, moi, je me dis, l'erreur était peut-être le fait que le couple n'a pas pu signer un papier avec la mère porteuse. Ils ont juste causé et puis, croyant qu'en parlant, la confiance était là et tout. Mais sans savoir que la fille avait aussi ses projets. Et peut-être elle est arrivée dans le luxe, la famille, elle a vu le luxe et tout. Elle a dit, mais... Moi, je ne peux pas redonner l'enfant et partir. Moi, je veux aussi, je suis femme, je peux aussi m'intégrer, avoir un couple, cet homme, c'est mon goût. En même temps, pourquoi ne pas garder le monsieur, vu que j'ai pu lui donner cet enfant, que sa femme n'a pas pu donner. Donc, du coup, je ne quitte pas, je suis là. Mais moi, je dis à cette fille, dans la vie, il ne faut pas avoir les longs yeux. Accroche-toi où ton sac peut... On dit, accroche ton sac où tu peux décrocher. Hein? Donc, si tu as accepté faire le business, on dit business, c'est un business. C'est le business. Tu as pris ton argent, donne-le à l'enfant. Donc, si tu dis que tu ne pars pas, sache que tu es en train de vouloir briser un mariage, briser un couple. À toi de réfléchir, ma chérie. Voilà. Donc, ça, c'était le point de vue d'Armelle Lafalaise. Mais cette situation m'interpelle particulièrement. J'essaye de comprendre. Déjà, Armelle, tu as dit qu'il voulait apporter un peu de joie dans la famille et tu as relevé le fait des contrats. L'histoire nous dit qu'il y a des contrats, mais sauf que l'histoire ne nous a pas précisé si c'est un contrat verbal ou si c'est un contrat écrit. Mais maintenant, on va se limiter au fait qu'il y a un contrat. D'accord? Mais est-ce que déjà, ces personnes-là peuvent faire valoir le contrat devant, peut-être par voie légale, ce contrat? Parce que, est-ce qu'ils ont suivi les normes de la voie légale? Parce que faire venir une femme chez vous, et la faire enceinter par l'homme de la maison, c'est vrai qu'il y a des voies d'adoption légales, mais est-ce que ça fait partie d'une des voies légales à adopter? Nina, vous êtes en train de réfléchir sur le contrat. Moi, je dis que... Permets juste un instant, s'il te plaît. Je vais relever quelque chose de simple là. Vous êtes en train de réfléchir sur le coût du contrat. Ici, ils ne sont plus sur le coût du contrat. Parce que même le monsieur n'est même plus d'accord. Non, le monsieur, il ne s'intéresse plus au contrat. Hein. Donc, même s'il faut regarder la loi, le monsieur n'est même plus par rapport à la loi. Parce que lui, là où il est là, il veut sauf que l'enfant. Et il n'est même pas d'accord. Si tu regardes bien, il n'est même pas d'accord que cette femme s'en aille. Déjà, quand il a commencé à coûter, ma soeur, tu étais la première femme. La patience vaut de l'or. La patience vaut de l'or. Ton mari, là, il t'a seulement induit en erreur. Parce que la patience pouvait t'apporter des enfants. La prière, la patience, l'attente. Le mariage est une union sacrée. Vous n'étiez pas vieillissant pour dire que vous avez perdu espoir au point d'aller chercher une jeune fille de 16 ans. C'est normal qu'elle ne veuille plus partir. C'est à quoi pour ce que le monsieur est allé chercher, ça se dit. Il vient dans ta maison, il monte sur elle, tu acceptes ma soeur. Même quand on dit que mère porte ça, enfin, au laboratoire, c'est des voies légales. Hein? On nous fait les enfants in vitro. Il vient dans ta maison, il tchouk. Là, tu dis que c'est la mère porteuse, c'est pas la mère porteuse, c'est la co-épouse qui était déjà entrée. Donc, même maintenant, si tu vas même te plaindre, même l'homme va dire que maman, c'est toi qui vas partir, tu vas même pas donner ce que j'attends. En plus, quoi, un garçon, ma soeur, tu vas seulement assumer. Calme-toi ton cœur. Parce que même si on réfléchit, quoi, l'homme est déjà pour. Vous avez réfléchi sur la loi légale. Bon, moi personnellement, je vais dire que le monsieur, en fait, que ce soit légal ou pas, la fille, nous les femmes, nous avons les longs yeux. Ça, c'est le thème qu'on emploie tout le temps. Nous avons tellement les longs yeux.
Et du coup, elle croit que le fait de donner l'enfant à ce monsieur pourrait lui donner la position de femme dans ce mariage. Moi, je dirais non. Pour ce monsieur, ma soeur, en fait, moi, je suis en train de répondre à la dame qui est dans le besoin. Oui. Elle, ce que moi, j'aimerais qu'elle fasse, c'est qu'elle essaye de recadrer son homme. Parce que quoi, à un moment, les hommes sont comme ça. L'homme, quand il voit où il trouve sa satisfaction, il ne pense plus au passé. Il faudrait qu'elle s'asseye, elle essaye de recadrer son homme et prendre la fille en question. Parce qu'en même temps, nous les femmes aussi, il y a aussi peut-être le luxe. Elle a vu l'argent. Si moi, je vois que peut-être c'est l'argent qui a attiré cette fille dans mon couple et que je sais que je peux encore monnayer cette femme pour qu'elle parte, je lui propose un peu assez d'argent pour lui dire que bon, je peux te donner une maison, je te donne même une voiture, mais libère mon couple, laisse-moi avec mon enfant et mon mari. Mais si ça veut que la fille insiste qu'elle ne part pas, là c'est la guerre, comme à la guerre, hein. Ça, c'est la guerre comme la guerre. Et malheureusement, si on a signé un contrat, cette fille ne peut rien. Elle ne pourra rien faire chez moi. Elle ne pourra rien parce qu'il y a un papier. Mais le problème est que s'il n'y a pas de papier, ça va être très compliqué pour que la fille parte. Mais la logique dit qu'il y a toujours une loi. On va respecter la loi. La loi dit qu'elle, elle est mariée légalement. Donc, elle ne pourra pas quitter son foyer facilement. Mais l'intégration de cette fille, pour moi, je dirais que c'est juste une arriviste. Parce qu'au début, elle a accepté faire le business. Mais à un moment, elle veut gagner gros. Ma chérie, à un moment, il faut aussi s'asseoir et dire que tu t'es donné dans un business. Et tu as gagné ta part. Même le bon Dieu assis en haut, il n'oublie personne. Parce que cette dame t'a prise, c'était pour faire l'enfant dans le couple. C'était pas pour que tu viennes être sa épouse. Honnêtement, oui, c'est ça. Donc, mais malheureusement, si toi maintenant, tu te sens femme, tu dis, en plus, tu n'as que 16 ans. Tu peux te refaire une vie, ma chérie. Avec cet argent, tu te lances dans un grand commerce et puis tu te tapes un homme de ta génération et puis tu avances. Pourquoi est-ce que tu vas t'habituer? Je comprends ce que tu dis, Amel, mais excuse-moi de te couper. C'est juste que j'essaye de ne pas perdre le fil des idées par rapport à ce qu'Amélie a relevé tout à l'heure. Peut-être que ce monsieur, depuis la base, parce que comme on parle de contrat ici, rien ne nous dit qu'il y a vraiment un contrat écrit. Oui, oui. Donc, si on part sur la base même de contrat écrit, déjà même ce couple sera dans les problèmes. C'est-à-dire oui, que pas seulement, déjà cette fille, elle est mineure. Mm-hmm. Oui. Elle a 16 ans. Oui. Donc même eux, quelque part, est-ce que tu ne penses pas que les deux, aussi mineurs, bien monsieur que madame, sont quelque part un peu coincés en ce moment? Parce que même si ce monsieur, ok, lui, il dit il tient son enfant, et Amélie dit c'était déjà arrangé depuis le départ. Mais à supposer même que lui, vraiment, il tient seulement à garder cet enfant-là qui est assez précieux pour lui. Est-ce qu'il a des voies de recours? Il n'a pas des voies pour se défendre. Comment faire donc dans cette situation-là? Bon, ce que je vais proposer au monsieur, c'est... Elle est encore petite, ça veut dire quoi? Elle peut être manipulable. Donc du coup, il est préférable de lui faire une bonne proposition. Cadrer la fille, dire à la fille, bon, moi, tu veux être avec moi, oui. Bon, tu vas nous laisser l'enfant. Je suis avec toi. On te cherche une maison, on te... cadre quelque part, te donne tout ce que tu veux, chaque mois tu as ton environnement, mais tu nous laisses en paix avec l'enfant. En fait, c'est gérable. Pour moi, je trouve que c'est tellement gérable qu'il n'y a pas d'obstacle. Il peut récupérer son enfant simplement, il suffit de bien manipuler la fille et puis... C'est très facile de dire que c'est manipulable. Un enfant n'a pas de prix. Un être humain n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant, tu comprends, elle est mineure, mais elle est consciente. Tu comprends un peu? Par les voies légaux, c'est impossible. Ils ne peuvent même pas aller poursuivre cette jeune fille. Parce que c'est eux qui auront vraiment des sérieux problèmes. Un, elle est mineure et on va dire, ils ont voulu détourner un mineur qui ne savait encore rien. Rien, justement. Par contre, elle est mineure, mais elle est mature. Elle est consciente. Justement, elle est et donc, elle a accepté et sachant ce qu'elle va faire à la fin. Ici, comme elle le dit, il faut seulement aller avec la douceur. Et si le monsieur... s'il ne continue pas à tromper cette jeune fille, elle va vite comprendre le jeu. Et pour moi, j'ai l'impression que ce monsieur a quelque chose avec cette jeune fille. Parce qu'elle ne peut pas s'acharner à vouloir rester dans cette maison pour rien. Non, elle ne peut pas s'acharner à rester pour rien. On connaît les filles ici. Les filles ont les longs yeux. Tu peux arriver. Une fille peut même te voir avec ton mari, envier ton mari. Et du coup, si ton mari flash un peu, bam, elle prend ton mari. Qu'est-ce que tu racontes que si le mari accepte? Non, ma mère. Elle n'arrive pas. Ton c'est ça que je dis, le mari accepte, non. Oui. C'est ce que ça te dit, que le problème c'est le monsieur. Ce n'est pas en fait la jeune fille, c'est le monsieur. Parce que là où il est en train de
train de jouer sur le terrain de... Moi, j'ai l'impression qu'il joue sur le terrain de la jeune fille et de la femme. Et quand Jean-Michel nous faisait beaucoup apprendre, hein, avec son histoire, oui, quand il se retournait vers Hélène, il disait, l'argent c'est quoi? C'est l'argent qui va m'enterrer. Quand il se retournait vers la jeune dame, sa peau, il disait que les enfants, mangez les enfants. C'est toi ma femme ici, ma vraie beauté. C'est toi qui me fais revivre. Elle là, c'est déjà un chiffon. Donc, dans cette histoire-ci, c'est très compliqué. Moi, là où je suis, là, je vais souvent adoucir le cœur de celle qui est vraiment lésée dans cette histoire, c'est la femme. C'est la première femme qui est lésée. C'est l'épouse du monsieur. C'est l'épouse du monsieur. Le monsieur a eu ce qu'il voulait. Et il a même eu gros, parce qu'il a eu la femme qui peut lui produire encore d'autres. Il croit qu'il va s'arrêter à un enfant. Ça? Je ne suis pas sûre qu'il va seulement s'arrêter. Il a vu là, il va aller faire jusqu'à avoir les enfants. Il ne peut plus laisser la petite fille là. Ils vont seulement chercher à manipuler la mère là. Moi, je seulement conseille non, la maman là. Non, ils ne peuvent pas manipuler la mère parce que... J'ai dit, cette fille, elle est toute petite. Toi, une fille de 16 ans peut te manipuler, maman. Elle ne peut pas. C'est toi qui peux manipuler. Nos enfants d'aujourd'hui. Non. Elle peut manipuler peut-être. La preuve, elle a fait. Toi, tu as la maturité. Toi, tu as l'expérience de la vie. Donc, du coup, elle ne peut pas te manipuler. Qui? Oui. Toi, tu as une... C'est le monsieur. Je ne parle pas de la jeune fille non, manipulée. Non, parce que elle s'impose. Elle s'impose. Mais toi, tu n'es pas manipulable. C'est elle qui est manipulable. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est la femme là qui est l'aise. Toi, la dame du foyer, c'est toi qui vas prendre les choses en main. Parce que tu es tellement mature que cette petite ne peut pas te dépasser. Oui, elle ne peut pas te dépasser. Elle devait nous demander des conseils. C'est parce que elle ne veut pas peut-être frapper fort. Elle a voulu même nous donner les conseils. Elle a besoin d'un point de vue. Non, la vérité c'est elle ne veut pas frapper fort. Elle a besoin des points de vue avant de se lancer. Donc du coup, elle vient nous voir pour que elle essaie de juger pour ne pas faire quelque chose et puis regretter après. Bon, moi personnellement, en tant que femme, et si je suis dans ta posture, moi je vais dire, cette petite ne peut pas me dépasser. Lui, c'est mon mari et on s'est connus, on a fait beaucoup de choses ensemble. Toi, tu es venu, tu nous as donné un enfant, c'était sur un contrat. Là, si c'est mon mari qui fait problème, mais c'est mon mari. Et puis cet enfant, c'est ça notre enfant. C'était ça la base. Maintenant, je vais le travailler. Je vais travailler mon mari à ce que cette petite... Avec quoi la sorcellerie? Même pas. Moi, non, je te dis que cette jeune fille a déjà un point sur toi, la mère de la maison. Ne pense pas que tu peux avoir le dessus. Tu peux pas avoir le dessus sur un homme. Ça sert à quoi? Non, tu peux avoir. Maman, attends, tu ne veux pas que je termine même. Attends, je suis en train de dire moi, en tant que femme, dans mon couple, quelle que soit la fille, moi j'ai le dessus sur mon homme. Si je veux parler à mon homme, je m'assois deux semaines. Il prend la meilleure décision et ce sera à ma faveur. Amen. Et l'enfant là va rester chez moi. C'est toi et ce n'est pas la mère. Non, c'est pour dire à la femme là que aussi, ne te laisse pas faire. Cette petite là, elle ne peut pas te dépasser parce que tu es mature et tu as l'expérience de la vie. Nina, donc du coup, réfléchissement, frapper fort sur ton mari et ensemble, même s'il faut trouver un moyen de déménager et faire un coup bas à cette petite, lui laisser partir prendre notre maison, vous avez assez d'argent. Donc du coup, essaye de réfléchir et voir comment est-ce que tu peux fuir avec l'enfant. Elle va vous poursuivre comment? Juste, voilà, permets que Madame Guédia puisse revenir sur son point de vue aussi. Je comprends ce que tu dis, Amel, mais je te reviens. Permets que Madame Guédia puisse, voilà. Je vous écoute, Madame Guédia. Ce que je relevais là tout à l'heure, je dis que c'est un problème très sensible. Tout à et fait. Et le meilleur perdant dans cette histoire, si elle ne gère pas bien la situation, c'est encore la femme de la maison. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà eu son enfant qui est de son sang. L'homme a déjà eu la femme qui peut lui donner d'autres enfants demain. Donc, se débarrasser d'elle aussi facilement n'est pas une chose facile. Il faudrait que cette femme soit, qu'elle ait vraiment des tacts, pas qu'elle impose quoi que ce soit. Parce que si elle cherche à imposer quoi que ce soit, elle sera la meilleure perdante. Comme elle s'est mariée, c'est aussi comme ça qu'elle peut se séparer de ce monsieur. Nous voyons les mariages, en plus nous sommes les Bantous. En Europe encore, on peut dire que le mariage, c'est une histoire de deux personnes et l'enfant n'est qu'une bénédiction du mariage. On peut accepter de vivre sans enfant. Mais chez les Bantous, ils en arrivent là pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un enfant qui leur rend heureux. Ils se retrouvent dans cette situation. Même par les voies légaux, ils n'auront aucune raison devant la loi parce que cet enfant est mineur. C'est ce que je disais. Maintenant, on a dit qu'elle est mineure, mais je suis en train de dire qu'elle est plus mature que nous. Parce qu'elle a accepté de prendre l'argent, mais elle avait visé loin. Exactement. Pourquoi? Aujourd'hui, un être humain n'a pas de prix. Ça veut dire que même si on lui propose n'importe quoi, ça ne vaut pas le prix de son enfant. Elle n'est pas prête à accepter de laisser cet enfant-là et partir parce qu'elle a eu tellement d'argent. Elle reviendra toujours à la source. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas que le monsieur même a dupé sa femme dans la négociation? Rien. Nous, on n'a rien ici pour justifier. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que... Est-ce qu'on n'a rien ici pour prouver que c'est un couple riche?
Même quand on est pauvre et qu'on a besoin de quelque chose, on peut tout s'y mettre pour y avoir et pour y arriver. Maintenant, le conseil que moi je vais donner, le riche parce que tu as payé combien? Le conseil que moi je voudrais donner à cette dame. Aujourd'hui, elle veut les conseils. Tu vas payer combien? Non, pour dire que je donne mon conseil à cette dame. Le riche, permettez-les. Permets que je dise ce que j'avais dit. Le conseil que moi je donnerais à cette dame qui est mariée, c'est maman. Va avec la douceur. Parce que si elle a signé qu'elle va être là et qu'elle a déjà un point sur toi, même si tu lui donnes de l'argent, qu'elle parte, qu'elle laisse ton ménage, elle ne partira pas. Vraiment, cette histoire me dépasse. Mais franchement, j'ai envie de revenir sur un point, Armelle. Tout à l'heure, tu as relevé quelque chose, c'est que vraiment, cette petite, elle ne peut pas dépasser parce qu'elle est encore petite. Et puis, la dame, elle est mature et tout. Elle peut s'organiser avec son mari pour duper aussi la petite. Vu que la petite veut les amener dans le sens, comme on dit souvent chez nous. Elle peut aussi s'organiser avec la dame, avec son mari, pour s'enfuir avec l'enfant et tout. Mais juste te demander, est-ce que ça ne va pas encore les mettre dans plus de problèmes? Hein, Amélie, parce que moi, je me dis que si jamais ils s'enfuient avec l'enfant et tout, est-ce qu'ils ne donnent pas l'opportunité justement à la famille de cette jeune femme, par exemple, de les chercher, de porter une plainte maintenant et ils seront dans le fond? Si ils s'enfuient, quand je dis s'enfuient, ce n'est même pas trop d'y prendre l'enfant, partir avec l'enfant, c'est de trouver un moyen pour lequel ils peuvent s'arranger avec la fille. En fait, il faut qu'ils s'arrangent avec la fille, soit la dame de la maison essaye de causer avec la petite, soit la dame essaie de convaincre son mari de trouver une autre solution. Parce que là, ça devient un peu compliqué. Fuir avec l'enfant, vraiment, comme tu dis, c'est oui, pas... Oui, c'est ça, c'est risque, ça comporte beaucoup de risques. Ça, vraiment, c'est risque. Donc, la dame en question, ici, nous te proposons d'être un peu très calme. Essayer de revoir comment est-ce que tu peux parler à la petite, calmement. Si elle est sans tête, essaye de voir avec ton mari. Et puis, ensemble, vous allez trouver une solution. Donc voilà, je pense que ce que tu dis, parce que franchement, s'ils en vont avec l'enfant, ça peut être considéré comme un enlèvement et tout, et voilà, ce sera encore des problèmes qui s'enchaînent. Alors, Madame Guédia, je veux que tu reviennes un peu sur ton point de vue ici pour nous dire. Mais effectivement, Nina, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que le tout n'est pas de faire des histoires, parce que sur tous les plans, elle aura gain de cause. Gain de cause. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut seulement conseiller, moi je conseille beaucoup plus la première femme, d'être assez douce. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est accepter d'abord la petite et essayer de renégocier avec son mari. Parce que dans le fond, moi, quand je vois cette histoire, je sens que son mari aussi en est pour beaucoup. Donc, alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils essayent de voir... Je sais pas moi, comment, parce que l'une de vous a suggéré tout à l'heure, je sais pas si c'était toi ou Armel, genre ils peuvent louer une maison, ils mettent cette jeune fille dedans, mais s'ils louent la maison et qu'ils mettent la jeune fille, est-ce qu'ils ne seront pas obligés de la laisser vivre avec l'enfant? Ou alors est-ce qu'une autre solution ne serait pas tout simplement de c'est vrai que je comprends que l'enfant est très important pour eux, mais vu que cette fille vient avec le chantage, est-ce que ce serait pas aussi une astuce, vu qu'elle est dans une situation précaire? Est-ce que ce ne serait pas aussi une astuce pour ce couple de faire semblant de la laisser avec l'enfant, peut-être? Lui dire, ok, si tu ne veux plus nous donner l'enfant, même si c'est dur pour nous, nous on veut un bébé, mais si tu viens avec le système de chantage, on peut peut-être te laisser avec l'enfant. Pour voir un peu les intentions de la fille. Oui, pour voir comment elle va réagir. Puisqu'elle va rester, elle va tenir à passer des mois pour prendre soin.